It's a big competition, 11,000 people from all around the world. You can have a lot of fun. It's a really nice place. You get to meet new people from different countries. You get to learn different languages. Everyone seems really excited to be here, representing the universities, the countries. It's really incroyable to be in such a place. I mean, like, in our country, we don't participate in such competitions like this. It's really something that we only live once in a life. I'm enjoying this competition. Viva Universiade! Les 28e Universiades d'été ont démarré le 3 juillet pour une période de 12 jours avec une cérémonie d'ouverture spectaculaire. Les Black Eagles, les jets de l'armée de l'air coréenne, ont donné le coup d'envoi des célébrations en survolant le stade de la Coupe du Monde de Gwangju. 10 711 participants avec 7 374 athlètes représentant 137 pays étaient présents. Gwangju, située dans la province de Jeolla du Sud, est connue comme étant la ville de la lumière. L'a montré à l'occasion d'un spectacle coloré où la jeunesse était rassemblée dans la promotion de la paix et de l'harmonie. Le champion olympique de gymnastique Yang Akseon et l'ancienne star de baseball Chan Park ont allumé la vasque des universiades. Les jeux universitaires pouvaient commencer. La Chine a dominé dès le premier jour avec les médailles d'or de Zheng Shangshui sur le plongeoir à 1 mètre et de Jian Fengpeng à 3 mètres. Zheng a réédité sa performance de Kazan pour assurer à la Chine sa deuxième médaille d'or en plongeon. La Chine a remporté 8 épreuves sur 11 au Centre aquatique international de l'Université de Nambu. Sur le plongeon synchronisé à 3 mètres, les deux frères Yevgeny et Vyacheslav Novoselov ont décroché l'or sur leur dernier plongeon pour battre Yuming Zhang et Yan Nianli. La médaille de bronze revenait aux Coréens. Les frères russes étaient soulagés après leur performance. Après notre dernier plongeon, j'ai pas voulu regarder tout de suite le résultat. Mais quand j'ai vu qu'on était premier, j'arrivais pas à le croire. C'était un rêve qui se réalisait. Une victoire aux Universiades. Je suis tellement heureux. Les Canadiennes Carol Ann Ware et Selina Jane Toos ne s'étaient entraînées ensemble que quelques jours avant la plateforme synchronisée à 10 mètres. C'était aussi la première fois que Selina participait à une compétition synchronisée, mais elles savaient qu'elles avaient leur chance. Plongeon après plongeon, leur confiance a grandi. Avec le peu de pratique que nous avions, on a juste mis tout ce qu'on pouvait niveau énergie pour réussir à être bien classé. On voulait juste faire nos passages individuels le mieux possible et toutes nos performances individuelles mises bout à bout. Eh bien, je pense que pour la première fois, on a fait du bon boulot. On était plus concentrés sur nos performances, on ne regardait pas ce qui se passait autour. On était juste en train de se dire « Ok, on doit faire ça comme ça » et on l'a fait. Et maintenant, voilà ce qu'on a gagné. Troisième après les 5 premiers plongeons, les Canadiennes ont réalisé 3 fantastiques plongeons consécutifs pour se hisser tranquillement à la première place. Elles remportent l'or devant les Coréennes. Tandis que la Chine montait sur la 3e marche du podium. They are pretty dominant, but I think we're catching up. Didn't focus on them, and that was never. We weren't expecting to beat them. Our focus was us. La dernière fois que le Canada avait remporté une médaille en plongeon aux Universiades, c'était en 1999 à Palma de Majorque.
L'athlète qui a connu le plus de succès à Guangzhou, c'est la nageuse américaine Shannon Vreeland, avec 4 médailles d'or et une de bronze. La championne olympique du relais 4 x 200 mètres a été imbattable sur le 100 et le 200 mètres nage libre. Elle a ouvert le très beau palmarès américain en natation dans ses universiades coréennes. Les compétitions sont très difficiles depuis le plus jeune âge jusqu'à ce stade. Donc, ils doivent vraiment se battre pour gagner leur place, que ce soit dans l'équipe olympique ou au championnat du monde. C'est très difficile d'intégrer la sélection nationale. Le fait d'être constamment dans des situations de pression fait que lorsqu'ils arrivent dans des compétitions comme celle-là, ils sont préparés et à l'aise. Vreeland avait déjà décroché l'or et l'argent lors de ses premières universiades en 2011, participant également au succès des relais 4 x 100 et 4 x 200 mètres nage libre. Sur 41 courses, les États-Unis ont remporté 14 médailles d'or et sont montés encore 30 fois sur des podiums. Le résultat d'un système universitaire très performant. Aux États-Unis, la natation croit vraiment dans le système NCAA qui gère les athlètes à l'université. Entre 18 et 22 ans, ils peuvent étudier, avancer dans la vie de ce point de vue-là et en même temps bénéficier d'un entraînement de niveau mondial, plutôt que se consacrer exclusivement aux études ou à la natation. Et c'est ce qui rend le système américain unique et nous permet d'avoir nos jeunes ici à un très haut niveau. L'Américain Josh Prenot, membre de l'équipe nationale américaine pour le 200 mètres individuel 4 nages et le 200 mètres brasse, a montré sa supériorité en décrochant 2 médailles d'or dans ses disciplines. À l'issue d'un finish haletant, Prenot a partagé la plus haute marche du podium avec le champion d'Australie Justin James. Sur le 200 mètres brasse, il a battu le japonais Kazuki Koinata. On a un système universitaire très fort. Moi et tous les entraîneurs sur le bassin, nous sommes entraîneurs dans des universités partout dans le pays. Donc on amène nos athlètes de partout aux États-Unis pour participer aux compétitions ici. Les États-Unis ont également été imbattables sur les relais 4 x 100 et 4 x 200 mètres. Et ils ont pu établir un record de 41 médailles remportées dans les compétitions de natation. Les Jeux universitaires sont une étape importante avant les Jeux olympiques. Nous avons beaucoup de jeunes nageurs inexpérimentés et ils se battent pour décrocher leur place dans l'équipe olympique. En général, il y a environ 5 nageurs d'ici qui intégreront la sélection olympique et ils ont tous engrangé de l'expérience. Le Brésilien Henrique Martins avait déjà une expérience universitaire. Le vice-champion des Universiades de Shenzhen en 2011 en relais 4 x 100 mètres nage libre a pu cette fois s'offrir l'or sur le 100 mètres nage libre. Il s'impose pour 4 centièmes devant l'Américain John Conger. L'Italien Marco Bellotti est médaillé de bronze. Martins ne cachait pas son bonheur. C'est génial. La dernière fois que j'étais aux Universiades, je regardais les courses et je me disais qu'un jour je serais premier. Et 5 ans plus tard, j'ai su saisir ma chance. Donc je me sens très bien maintenant. 3 jours plus tôt, Henrique Martins dominait le 50 mètres papillon devant le Bélarus Yaven Turkin et l'Italien Piero Codia. Sur le 50 mètres nage libre, il s'offrait l'argent. Le triple champion du monde en relais est déjà en bonne forme un an avant les Jeux Olympiques chez lui à Rio. J'ai lu un chiffre la semaine dernière, 48% des médaillés olympiques ont remporté une médaille lors des Jeux universitaires. Alors ça montre à quel point c'est une compétition relevée. Henrique Martins pense déjà à ses rêves ambitieux pour les prochains Jeux olympiques. Le match pour la médaille d'or en waterpolo masculin entre l'Italie et la Hongrie clôturait les universiades d'été de Guangzhou au centre aquatique couvert de Yeongju. Dans la 4e période, la Hongrie menait à 1 minute de la fin du match 7-6, mais Giacomo Lanzoni est parvenu à égaliser pour l'Italie dans les dernières secondes.
Tamás Sedlmayr a pu assurer la victoire pour la Hongrie lors de la séance de tir au but, 14 à 13. Dans le match pour la médaille de bronze, les États-Unis ont battu la Serbie 5 à 4. Dans la finale féminine, le Canada a affronté l'Australie. Les Canadiennes menaient 3-0 avant que l'Australie ne parvienne à marquer un but sous les bras de la gardienne Nicola Coulter-Jones à 2 minutes 30 de la fin pour égaliser. À l'issue des dernières possessions de balles, le score restera de 3 partout. Elodie Ruffin marquera le dernier point pour une victoire 6-3 au tir au but. L'Australie s'impose et le Canada repart avec sa première médaille dans des universiades en waterpolo féminin. Le bronze revient à la Russie. Les compétitions d'aviron avaient lieu au Centre international d'aviron de Changzhou, à 285 km de Guangzhou, où s'étaient déroulés les championnats du monde 2013. La Lituanienne Lina Saltit a remporté la 4e médaille d'or pour la Lituanie, meilleure nation en aviron dans ses universiades. En 7 minutes 25 secondes et 76 centièmes, elle a battu l'Ukrainienne Dov Godko et la Néerlandaise Oldenburg. L'Allemagne, traditionnellement une nation forte en aviron, ne décrochera qu'un titre en 400 barreurs. Elle s'impose en 5,58 devant les Pays-Bas et l'Italie. Restez avec nous, Campus Sport revient dans un instant. Nous rencontrerons le gymnaste allemand Fabian Anbüchen. Et nous nous intéresserons aux épreuves de tir et de tir à l'arc de ces universiades de Guangzhou. The International University Sports Federation brings together millions of students worldwide around the same values. Excellence in mind and body. Thousands of students, hundreds of universities participate in FISU events, the rendezvous for the best student athletes. Today's stars, tomorrow's leaders. Fabian Anbüchen a terminé sa carrière d'étudiant athlète et la compétition de gymnastique artistique aux Universiades 2015 de Guangzhou avec une médaille d'or dans sa discipline de prédilection, la barre fixe. Pour l'étudiant en management du sport et communication de l'Université de Cologne, c'est une belle réussite dans sa carrière. Je ne trouve pas les mots pour décrire ça. Les deux derniers mois ont été tellement durs pour moi, avec tellement de hauts et de bas. Donc maintenant, je suis vraiment heureux d'avoir cette médaille. Ce sont mes dernières universiades. Je suis un peu triste parce que cette ambiance me manquera. Mais je suis vraiment heureux de cette médaille. C'est une super journée. Dans le gymnase de Guangzhou, le meilleur athlète masculin de ces universiades a montré sa puissance à la barre fixe. Avec 15,266 points, il s'est classé devant deux Japonais, Shogo Nonomura et Yu Yakamoto. Juste avant les universiades, il a gagné l'or et l'argent aux Jeux européens de Bakou en Azerbaïdjan. Anbüchen est dans la forme de sa vie. Ça a été un bon programme, pas mon meilleur, mais je m'en suis sorti. C'était tellement important. C'était l'épreuve la plus difficile, donc au moins je suis heureux, mais ça a été très serré. Les autres athlètes étaient très forts. Le médaillé de bronze des Jeux Olympiques de Pékin et médaillé d'argent des Jeux de Londres à la barre fixe a terminé 5e au sol, derrière le japonais Yayasaka Naoto. Malgré une petite blessure au doigt, il est quand même venu à Guangzhou. Il y a deux mois, assez tard, ça n'était pas prévu. Cette année, on a différentes compétitions comme les championnats du monde en octobre. Mais yeah, j'avais adoré Kazan, donc je ne voulais pas manquer ces universiades. C'est pour ça que je suis à nouveau là. C'était un vrai plaisir, vraiment très sympa. Fabian Anbüchen a aussi apprécié les universiades d'il y a deux ans à Kazan, où il a gagné deux médailles d'argent. Le gymnaste allemand, qui va sur ses 28 ans et qui ne pourra plus concourir aux universiades, aime particulièrement l'ambiance de cette compétition. Pourtant, quelque chose lui manquait toujours dans sa carrière. J'ai rêvé de cette médaille pendant deux ans et j'ai fait une erreur sur la barre fixe. J'étais vraiment déçu, donc je voulais vraiment avoir cette médaille d'or aujourd'hui. Ça n'a pas été facile, ça a été un combat difficile.
Fabian Ambuchen peut maintenant ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière sportive. Double champion ukrainien des Jeux européens, le gymnaste Oleg Verniaïev a lui aussi triomphé en individuel et a même remporté l'or aux Universiades. Après avoir remporté l'or il y a deux semaines à Bakou, Verniaïev est parti comme favori pour rafler le titre lors de ses Universiades d'été. Et il n'a pas déçu. Le jeune homme de 21 ans a été solide lors de ses 6 apparitions à Guangzhou. Son meilleur résultat étant au barre parallèle, la discipline où il avait gagné le titre mondial en 2014. Cela l'a aidé à se détacher de ses plus proches adversaires pour s'emparer de l'or avec un total de 92,075 points, pendant que le japonais Shogo Nonomura remportait l'argent et l'américain Akash Modi le bronze. Le général chez les femmes a été gagné par la britannique Kelly Sim. Sim, étudiante en sciences et sports de l'université de Southampton, a pris une 2e place au saut de cheval et une 3e place au sol. Elle a remporté un total de 56,332 points sur les 4 disciplines. Les japonaises Asuka Teramoto et Natsumi Sasada ont complété le podium. La coréenne de 21 ans, Son Yeon-jae, est la 2e meilleure athlète de cette compétition. Elle a gagné la finale générale en individuel avec 72,550 points, devant l'Ukrainienne Diana Ridzadinova et la Biélorusse Meltina Stanyuta. Elle a terminé première au cerceau, ruban, massue et ballon. Elle ne s'attendait pas à toutes ces victoires, car elle était blessée et elle n'a pu préparer que tardivement ses Universiades. Son a pris l'argent au ruban avec 17,800 points. Derrière la vainqueur, la Biélorusse Meltina Stanyuta et puis l'Ukrainienne Diana Ridzadinova. Une nouvelle médaille d'argent pour la Coréenne au massue. Son a commencé à baisser sa garde au massue, l'une de ses spécialités avec le cerceau. Elle en a laissé tomber une à la fin de son programme pour finir par partager la médaille d'argent avec la Biélorusse Meltina Stanyuta. Stanyuta, qui a dans sa carrière été sévèrement blessée et qui a dû s'arrêter plusieurs mois en 2010 à cause d'une fracture à la jambe, est de retour au premier plan. Diana Ridzadinova a pris l'or avec 18,200 points. L'étudiante en éducation physique de Kiev était aussi en 2013 championne du monde au cerceau. Ridzadinova était l'adversaire la plus coriace de Son durant la compétition de gymnastique rythmique. Pour la première fois, le handball a été inclus au programme de ces Universiades. En finale, la Corée du Sud a joué contre la Russie. Ça a été un match très serré, surtout de la part des Coréennes très douées en hand et qui ont pu compter sur le soutien de leurs supporters pour se rapprocher de la Russie qui menait à la fin du match. La Corée s'est battue pour revenir à 36-38 et la Russie a dû s'employer pour remporter l'or. 38-36, la Russie devient le premier vainqueur en handball de l'histoire des Universiades. Les Portugais ont eux battu la Serbie dans la finale homme. Ils menaient en 2e période 20-13, mais la Serbie leur a toujours mis la pression. Dans les dernières minutes, même si les Serbes se sont rapprochés, le Portugal a su répondre aux attaques. Score final, 25-21 pour le Portugal. L'argent revient à la Serbie et la Suisse prend le bronze. Les Coréens du Sud ont particulièrement brillé en badminton. 6 finales et 6 médailles d'or. La Corée du Sud, pays organisateur, a été la nation la plus performante durant ses Universiades de Gwangju devant son public. Premier au classement des médailles, avec 108 médailles, dont 47 en or, 32 en argent et 29 en bronze. La Russie prend la 2e place avec 122 médailles. La Chine est 3e avec 72 médailles. «
Après la médaille d'or, obtenue par équipe au Baltrap, avec à la clé un record des Universiades, l'Italienne Silvana Stanco a continué ses brillants championnats du monde universitaire. Elle a ajouté une nouvelle médaille d'or à sa collection en individuel, devant sa compatriote Federica Caporfuzio. L'Australienne Catherine Skinner a, elle, pris le bronze. Les Italiens ont semblé imbattables au Baltrap. Valerio Grazzini, étudiant en économie, a battu le Slovaque Philippe Marinov 14 à 12. Yavuz Ilnam, le Turc, termine lui sur la troisième marche du podium. Du côté du tir à l'arc, la nation la plus prolifique reste la Corée du Sud, avec 8 médailles d'or sur 10 possibles. Dans la compétition féminine par équipe d'arc à poulie, la finale a opposé les États-Unis à la Russie. Les Russes ont pu améliorer leur performance et l'emporter 220-218 sur les Américaines. Taïwan a également brillé en arc recourbé par équipe chez les femmes. Dans la troisième partie de ce magazine, nous nous intéresserons aux finales du basket, très disputées, mais aussi à celle du volley. Également un détour par les finales du football. The International University Sports Federation brings together millions of students worldwide around the same values: excellence in mind and body. Thousands of students, hundreds of universities participate in FISU events. The rendezvous for the best student athletes. Today's stars, tomorrow's leaders. Les États-Unis ont remporté le titre féminin en basket en s'imposant 82 à 63 face au Canada, après avoir obtenu leur ticket pour la finale aux dépens du Japon. C'est le sixième titre consécutif pour l'équipe américaine et le dixième dans l'histoire des Universiades. Alors quel est le secret de cette domination ? Chaque fois que les États-Unis jouent, on s'attend à ce qu'ils gagnent. Alors il y a un peu de pression. Mais il faut dire qu'on a un super système pour le basket aux États-Unis. Les joueuses grandissent en jouant et je pense que ça aide beaucoup. Les États-Unis sont connus pour gagner beaucoup de médailles d'or en basket. Donc je viens juste ici et j'essaie de faire perdurer cet héritage que nous ont légué les équipes précédentes. J'ai une superbe impression avec ce groupe de filles, venir ici, travailler dur, et notre objectif est évidemment de gagner l'or. Le premier quart-temps a été disputé, mais les Américaines sont finalement parvenues à prendre la tête grâce à un tir à deux points de Mercedes Russell. Aerial Powers a mis la pression sur le Canada avec ses trois points et les États-Unis menaient à la mi-temps 31 à 23. La Canadienne Corissa Williams a montré le fighting spirit de son équipe, mais malgré un très bon match, elles étaient menées 45 à 48 après le troisième quart-temps. Je pense qu'on a laissé trop d'énergie dans le troisième quart-temps. Ça n'était pas la bonne façon de faire et on n'a pas été capable de les stopper. La Team USA, qui ne menait que de 4 points au départ du dernier quart-temps, a commencé à attaquer en force dans les dernières minutes avec ses deux points de Sydney Wees. Son équipe possède une belle avance, 82 à 61. La Canadienne Dakota White marque 2 points dans les dernières secondes pour établir le score final à 82-63. C'était serré, mais on a tout eu bon. Les coachs nous disaient que si nous voulions gagner, il fallait arrêter de jouer perso. Et ça nous a aidés. L'équipe américaine sera certainement favorite pour les prochaines Universiades à Taipei. Le Canada obtient son meilleur résultat avec l'argent. Le bronze revient à la Russie qui a battu le Japon 71 à 60. Chez les hommes, après 8 matchs en 11 jours, l'équipe américaine a survécu à 8 adversaires et 2 prolongations pour afficher un bilan parfait en Corée du Sud et offrir aux États-Unis leur première médaille d'or en basket masculin depuis 2005. On a continué à se battre sans jamais baisser les bras. C'est ça qui a été la clé de notre succès. L'Allemagne aussi aurait pu gagner et sa déception était grande.
On mettra un peu de temps à oublier la déception, mais avec le recul, je me souviendrai d'une formidable expérience. J'adore mes coéquipiers, mes entraîneurs. C'est juste dur de ne pas gagner à la fin. Au début de la première prolongation, Constantin Klein donne à l'Allemagne l'avantage 69 à 66 avec ce tir à 3 points. Dans les dernières secondes de la première prolongation, alors que les États-Unis accusaient un retard de 2 points, Mason va se frayer un chemin vers le panier pour égaliser. C'était un match très dur. On s'est beaucoup battu. Ils voulaient vraiment gagner. Et sur la fin, ils ont réalisé des paniers vraiment difficiles. Mais dans la deuxième prolongation, Mathis Mullinghoff lance à 3 points et donne la tête à l'Allemagne, 77 à 75. L'Allemagne essaie de revenir dans les dernières minutes, mais n'y arrive pas. Les Américains commençaient à être plus concentrés. Finalement, Wayne Seldon marque le dernier point pour les États-Unis et le match a été fini après 2 prolongations. Le score 84 à 77. Il n'y a pas de meilleure sensation. Je n'avais sans doute jamais joué à ce niveau-là de compétition. Je suis tellement content. Je suis content pour tous ceux qui sont venus ici, tous ceux qui nous ont soutenus. Je suis content pour les États-Unis. Ramener ça chez nous, c'est vraiment dingue. Les Jayhawks de Kansas City ont été la première équipe de basket universitaire à représenter les États-Unis aux Jeux mondiaux universitaires depuis Northern Iowa en 2007. 2 ans après que les États-Unis ont terminé 9e des dernières Universiades, les Jayhawks les ont amenés au premier plan sur la scène universitaire. En volley féminin, les Ukrainiennes se sont inclinées en finale face aux championnes en titre russes. La Russie était vraiment trop forte pour l'Ukraine, 25-12 dans la première période, 25-17 dans la seconde. L'Ukraine n'arrivait pas à résister à sa pression. La troisième période a été plus serrée, mais la Russie l'a quand même gagnée 25-17 et a pu conserver son titre décroché à Kazan en s'imposant 3-7-0. Le bronze revient au Japon, vainqueur du Brésil 3-7-1. Les Russes étaient très heureuses, tout comme l'équipe masculine qui affrontait l'Ukraine dans une finale difficile et serrée et qui s'est également imposée. Après avoir perdu la première période 25 à 27 et la seconde 23 à 25, l'Ukraine a commencé à dominer la Russie pour empocher la troisième période 25 à 21. La dernière période, la Russie est revenue avec détermination. La championne sortante domine la quatrième période 25 à 17 et gagne la finale 3-1. L'Argentine repart avec le bronze après sa victoire 3-1 face à Taïwan. Conditions météo difficiles pour la finale de football féminin entre la France et la Russie. Deuxième mi-temps, 67e minute, l'attaquante Valérie Gauvin marque pour les Bleus. En 2e minute, sur un corner, Lyubov Kopiatkova marque contre son camp. La France mène 2-0. Ce sera le score final. La France est championne universitaire, la Russie médaillée d'argent et le Japon repart avec le bronze après avoir battu le Brésil 3-1. La Corée du Sud essayait de remporter sa première médaille d'or universitaire en football depuis 1991, mais elle n'a jamais vraiment inquiété l'Italie car elle s'est trouvée réduite à 10 joueurs dès la 6e minute de jeu. À la 11e minute, l'attaquant Tommaso Biacci marque pour l'Italie 1-0. Minute, le milieu de terrain Paolo Rigoli marque le deuxième but italien. Leonardo Morosini vient sceller le score en faveur de l'Italie, 3-0. L'Italie devient donc championne universitaire, la Corée échoue devant son public et le Japon s'offre le bronze en battant le Brésil au tir au but, 7-6.
Le mois prochain, nous vous montrerons encore quelques grands moments des Universiades de Guangzhou avec les compétitions d'athlétisme. Nous suivrons également un des 12 jeunes reporters du programme de reporters de la FISU. Nous parlerons avec le directeur des Universiades d'été, Marc Vandenplas, et plein d'autres choses encore dans Campus Sport le mois prochain. Today's stars, tomorrow's leaders. The International University Sports Federation brings together millions of students worldwide around the same values, excellence in mind and body. Thousands of students, hundreds of universities participate in FISU events. The rendezvous for the best student athletes. Today's stars, tomorrow's leaders.